Voici les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il va très vite faire grimper les températures. Le soleil est déjà bien présent ce matin dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur. Et des 27 degrés souvent déjà affichés ce matin sur le littoral. On va passer à 30 cet après-midi, voire même plus dans les terres. En revanche, la qualité de l'air se dégrade sérieusement avec un indice médiocre pour ce mardi. Une enquête judiciaire pour homicide involontaire ouverte après le drame d'hier sur le chantier de l'extension du centre d'entraînement de l'AS Monaco à La Turbie. Un pan de falaise s'est écrasé sur un engin et l'homme de 56 ans qui le pilotait pour justement sécuriser cette falaise est décédé. L'inspection du travail s'est rendue sur place. On ne connaît pas encore les causes techniques qui ont conduit à cet éboulement. Dans un communiqué, l'AS Monaco s'est dit profondément touché et a tenu à apporter son soutien à la famille de la victime. Dans l'actu également, la Covid-19 et cette pandémie qui s'accélère toujours dans le monde. En France, la situation est sous contrôle, sauf en Guyane où le nombre de cas augmente dangereusement depuis quelques jours. On pense même à un éventuel reconfinement dans cette région d'outre-mer située à la frontière du Brésil, pays le plus touché d'Amérique du Sud. Preuve qu'il ne faut surtout pas oublier les gestes barrières. Le conseil scientifique qui entoure Emmanuel Macron semble pessimiste pour la rentrée. Selon les experts, il est extrêmement probable que la deuxième vague arrive chez nous cet automne avec la baisse des températures. À Monaco, un nouveau cas positif hier, ça en fait 2 en 48 heures et porte à 101 les personnes touchées en principauté. Dans le même temps, on a enregistré une guérison supplémentaire. La dernière personne qui était hospitalisée au CHPG a quitté l'hôpital. Il va falloir relancer la machine économique. La crise sera dure. On en voit déjà les prémices avec des annonces de licenciements qui s'enchaînent. Pour favoriser le retour au boulot, le gouvernement va très vite assouplir le protocole sanitaire dans les entreprises. Fini le no man's land de 4 mètres autour d'un salarié. Il suffira d'être à 1 mètre pour bosser côte à côte. Les masques et les gestes hydroalcooliques seront toujours privilégiés. Pas d'exception à Monaco, le Rocher est désert de touristes et certains commerces sont très loin d'être rentables. Une page Facebook existe, les commerçants de Monacoville. Vous pouvez apporter votre soutien et soutenir les nombreuses boutiques du Rocher. Et pour ne rien arranger, le gouvernement princier n'a pas l'intention de revenir sur sa décision de ne plus accueillir de paquebots de croisière cette année. Il n'y a bien que le musée océanographique et la reprise de la relève de la garde qui peuvent un peu attirer les foules. Toutes les autres animations et festivals ont été annulés. Pas non plus, contrairement à la France de jauge de 5000 personnes au Louis II avec la reprise prochaine du championnat. Il n'y a que la clientèle haut de gamme qui devrait faire tourner l'économie. Les taux d'occupation des hôtels de Monaco sont en hausse. Voilà pour votre actu 9h04. Excellente journée à vous.